Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, et non pas de Gran Turismo Sport, et oui évidemment, puisque comme vous aurez pu le voir dans la vignette et la miniature, c'est du God of War. Donc ce jeu, très rapidement, juste je vous explique, parce que la vidéo que vous êtes en train de voir à la seconde, elle va se couper dans environ une quinzaine de secondes, et elle va reprendre sur le contenu normal. Le tout début de la vidéo ne s'est pas enregistré, je pense que très certainement il devait y avoir des phases, vous savez, quand vous enregistrez avec la commande chère de la PlayStation, il y a des phases qui sont plus ou moins coupées et non enregistrées, j'imagine, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, bon bref, peu importe. Là n'est pas le sujet. Je vais vous relancer la vidéo, donc ce que vous allez voir, ce que vous voyez maintenant a été enregistré après ce que vous allez voir dans la foulée, parce que le début a complètement planté. Donc voilà, je vous laisse sur le visionnage de première session de gameplay, on se retrouve très très bientôt, bon visionnage, salut. Donc ce jeu, je l'ai eu tout récemment, c'est-à-dire lors des Game of Play, il était en réduction exceptionnelle vendu sur le site PSN PlayStation. Je l'ai eu à 26 euros. Et honnêtement, ça fait partie des GOTY, je crois, hein, Game of the Year. Donc si je dis pas de bêtises, ce jeu en fait partie. Et j'ai un collègue qui l'a, il m'a dit c'est l'un des plus beaux jeux auxquels il ait joué sur PS4. Donc j'ai dit bon, je vais essayer de le prendre à l'occasion, mais 70 balles, ça me faisait un peu, voilà, ça m'embêtait. Et donc je l'ai trouvé à 26 euros sur le PSN, donc j'en ai profité. Et on va faire les premiers pas avec Kratos, si je dis pas de bêtises, on va voir un peu ce qu'il y a. Alors, paramètres, on va voir un peu les paramètres, voir les commandes, de toute façon on va tout laisser comme ça, hein. On va pas s'embêter. Allez, nouvelle partie. Alors, histoire, mode histoire s'adresse au joueur désirant découvrir l'histoire sans vivre une expérience de jeu trop ardue. Raisonnablement difficile, défi, on va se mettre en équilibré, défi. Allez, on va faire comme ça, défi quand même, parce que j'ai pas envie que ce soit trop facile. Donc déjà visuellement c'est très très beau. Alors a priori toutes les cinématiques que l'on voit sont faites avec le moteur du jeu, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est de la pure découverte. Ouais. Donc c'est de la pure découverte pour moi puisque je découvre ce jeu en même temps que vous. Et je n'ai... Oh putain, faut pas lui mettre sa main, lui sous la hache. Et je n'ai malheureusement pas l'historique du jeu. Coup de Dieu. Je ne sais pas à qui appartenait cette petite mimine qui était sur l'arbre. Dites-moi-le dans les commentaires si vous le savez. Bon, il a l'air plutôt touché en touchant ça. Je sais pas si c'est peut-être sa femme ou un truc comme ça. Je sais pas. J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Une bonne voix bien grave. Ok. Le jour où j'ai un déménagement, je pense que je vais le contacter pour lui demander de me déplacer tous mes meubles. Bon, par contre, il avait une hache, il arrive à porter le tronc à bout de bras et il a mis 10 coups pour couper l'arbre. Bon, par contre, visuellement, c'est beau. Très, très, très joli. Tu veux toujours que je l'attache au bateau? Ouais, a priori, on peut pas revenir derrière. On va le poser délicatement, hein. On dirait qu'il pose ça comme... morceau de carton. Atreus.
suffira. Papa. Ah, père, c'est son papa. Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. Je sais pas s'il y a des phases d'exploration ou... Alors on peut combien de temps on va faire en termes de vidéo. Vous voyez des petits bugs de collision, hein. Petits bugs de collision, on voit la petite branche là, on voit le tronc qui est un peu rentre dans l'épaule. Bon, on va pas faire trop les difficiles, hein. On va pas critiquer le plus beau jeu de la PS4 quand même. Par contre les décors c'est beau. Hein. Donc là les noms qui défilent, je pense que ce sont toutes les... je pense que c'est tous les doubleurs, j'imagine. Il y avait des noms très français, à part le dernier qui est... Là, on a les vrais gens qui ont participé au jeu, donc c'est... Tous les noms français, ça va être les doubleurs, je pense. À qui appartiennent toutes ces petites mimines? Ah, ça veut dire que j'ai l'impression qu'on prend la commande en alternance du gamin ou du papa, c'est ça? J'imagine. Ah, il y a quelqu'un. A priori, c'est. Il y a quelqu'un là. Ouais, j'ai ping. Ouais. Une personne qui est décédée. Bon. Alors, c'est peut-être la maman et la femme de Kratos. Je connais pas l'histoire, donc je dis sûrement des grosses conneries. Je voilà. Connais pas les histoires. Ah, mais voilà, on a la réponse. C'est ça, maman. Voilà. Que je vois mon père. Ah non, pas du tout. Bon, je sais pas. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez les voilà qui m'appellent. Voyez les voilà qui m'appellent. Elle est prête. Ouais, c'est sa maman. Oui, je disais peut-être que j'ai des grosses conneries et c'est quelqu'un d'autre. Mais comme j'ai dit, j'ai joué. C'est la première fois que j'ai joué un God of War. Donc je sais pas du tout ce qu'il en est. Retrouve les tiens. Tu es libre. Pourquoi c'est un peu énervant de pas comprendre.
suis désolé. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. T'as appris à chasser ? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Logique. Par là. Ouais, c'est un peu frustrant de pas... de pas trop comprendre en fait l'histoire. Père, pourquoi on fait ça maintenant ? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne. Ça dépendra de toi. Allez. Je suis en train d'essayer de voir s'il y avait d'autres choses à inspecter. Qu'est-ce qu'il peut faire comme personne, comme mouvement, ce garçon ? Ah, il saute pas. Il sait pas sauter. Bon, a priori, pour le moment, on n'alterne pas trop les personnages. Mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher. Pour regarder autour de vous, option pour accéder aux paramètres de la caméra. Ah, ouais. Non, c'est très bien comme ça, moi j'aime bien. Hein. J'ai pas envie de changer quoi que ce soit. Oula, apparemment il y a un menu, bon on verra plus tard le menu. Là on est dans la découverte pure. On apprendra tout coup par coup. Ah, il y a des trucs à trouver. Je sais pas ce que ça représente, c'est quoi. Un journal. Ah, c'est quoi ? Afficher journal. Ok. Petit jouet, j'en avais un comme ça. Ok, d'accord, bon. Un jouet en bois. Bon, hop. Encore les traces ? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Bon, a priori, il y a de l'exploration à faire. Des petits items à récupérer. Donc je pense qu'il faut fouiner un peu de partout. Alors, comment on fait pour sauter ? Basiquement. Oh. Attends, les traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici. Bon, si j'ai bien compris, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de bouton pour sauter naturellement, en fait. Spontanément, on peut pas sauter. On saute quand on... Oula, c'est un beau cerf, lui. Si vite, Atreus. On saute quand on franchit un obstacle. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Il y a des trucs là à voir. Expérimente pour trouver. Ah oui, des précieuses ressources. Donc il y a plein de trucs à explorer en fait. Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser ? Écarte-toi. Mais il va te faire sauter. Appuyez pour équiper votre hache. Ok. R2 pour viser. Non, L2 pour viser. R1 ou R2 pour lancer l'hache. Wow. Vas-y. Vas-y, fais-toi plusieurs. Oh. C'est quoi ça ? Ah, tu peux la rappeler. Ok, cool. Un peu comme la Mjolnir dans... de Thor dans... Hop là, Avengers. Le voilà ! Attends ! Oh, mais t'es couillon, il t'a dit d'attendre. T'écoutes pas ton père. Maintenant, il va se méfier. Tu ne tires. Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Pourquoi tu n'as pas les yeux de son père, hein ? Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le.
Ah oui, d'accord, j'ai pas le choix, je suis obligé de le suivre. Ah, il y a... Non, tu n'es pas prêt. N'approche pas. Première attaque, il faut qu'il s'en suive. Comment on fait pour parer? J'aurais aimé pouvoir... On peut pas parer? Peut-être qu'il est tellement vif qu'il a pas... Il ressemble... Bah, je suis mort comme un caca. Non, ce que j'aimerais moi c'est pouvoir... On peut pas parer On est obligé de... De juste friter. Il ne sait pas parer ce garçon. Donc là, hop, ils vont venir, ils vont lui sauter dessus. Non, t'es pas prêt. Voilà, t'es allé. Pourquoi la caméra elle se regarde? Ah oui, il faut appuyer dessus pour la caméra, d'accord. Il est sinistre, caméra. T'aimes si nul? Alors, je dois être très très mauvais parce que j'ai toujours pas compris comment on faisait pour parer. Rendez-vous par maintenant. Non, je veux pas changer le niveau de difficulté, je veux juste savoir comment on fait pour parer. Parer les coups. Non? Bon, après, c'est mon... la première fois que je mets les mains dessus. Peut-être que j'étais un peu présomptueux quand même en termes de niveau de difficulté. T'es pas prêt. On avait compris. Mais pars, espèce d'idiot! Mais c'est une blague! Vous pouvez régler dans le menu par. Ah, peut-être qu'il y a. Ah, attendez, ne nous énervons pas. On va juste voir, peut-être que les caméras, il y a peut-être un truc à faire pour la caméra, c'est où? Caméra, option, c'est où? Non, c'est pas là. Option, c'est là. Paramètres. Caméra d'ici, caméra de combat. Bon, c'est bizarre. J'ai pas envie de baisser le niveau de difficulté quand même, mais... Ah, c'est bon, on a compris. Oui, c'est bon, on a compris, c'est pas vrai. Quatrième fois que je reprends. Il est où ce couillon? Bah a priori c'est... Maintenez pour bloquer, tu peux pas me le dire avant qu'on peut parer comme ça? Sans déconner... C'est pas puissant mais... Ce serait pas été mieux de me le dire dès le début du combat qu'on pouvait faire ça?
Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu sens le gars délicat quand même, hein? Derrière toi, abruti. Ben voilà, maintenant qu'on sait comment parer, c'est... Ils s'aventurent pas si près de nos bois d'habitude. C'est plus simple, non? Ça, ça veut dire avance et ta gueule. Ah ouais, plus simple comme ça. Voilà, on récupère un peu des points de vie. Alors, il est où parti le minot? Il est là. Bon, j'étais, ouais, peut-être au niveau difficulté, j'aurais dû pour une première fois le mettre un petit peu plus faible. Dans le vieux temple, mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Voilà, ça veut dire qu'on s'en fout ce qu'a dit ta mère. C'est clair, non? Regarde. Tu peux me rendre mon arc maintenant? Tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Pas un truc ça, non, c'est vrai. Oh, descendre. Ah, j'entends des gens. Jauge santé des ennemis. Oui, super, je savais ça. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu. Hein. Maintenez L2 pour viser. R2 pour un slash. Ah, il faut la rappeler, H. Oh, la douceur. Ah oui, c'est quoi? Ah ben voilà. Oh, ça va. Arrête de faire ta gonzesse. Ok, lancer le... Ah oui, à la tête ou au pied, oui, effectivement. Si je l'avais mis dans la tête, ça aurait été mieux. Alors, on va viser. Oui, on a compris. Dessus leur tête. Alors, on va viser déjà la tête. Hein. Moi, je les ai vus, hein. Que tu m'en fais pour ça? Ah, tiens. Oh, mais tu es résistant, pépère.
Moi je suis quelqu'un dans ton cul. Voilà, hein? Non mais... Ben, j'ai l'impression qu'il la sort un peu de tous les côtés là. Ah, c'est viril, hein? Voilà, voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Nouvelle astuce à jouer. C'est plutôt... Ouais, mais tu me suis où? Mais t'es couillon ou quoi? Tu passes 10 fois en dessous. Le truc de je me baisse, ça marche pas? Si, je me mets à 4 pattes, je me baisse. Non, bon. Apparemment, non. Alors, il doit avoir vraisemblablement une petite énigme. Hop, bah non, même pas une énigme, c'est juste ça. Elle pour utiliser la chaîne. Oui, bah non. Et là, normalement, je vais faire un petit triangle pour la rappeler. Et... Bon. Donc là... combien de temps? Ça fait presque une demi-heure. Ouais, je pense qu'on va essayer de choper le cerf, ce serait bien. Si on y arrive. Ben voilà. Voilà, il va choper le cerf, je pense qu'on se quittera après. Après là-dessus. Ce n'est qu'une cible, vie de ton esprit. Solide sur tes appuis, ne bouge pas. Expire et lâche la corde. Bien. Tu aurais pu viser la tête, au moins qu'il souffre pas. Enfin, c'est moi qui fais viser là. Encore en vie. Bah il faut l'achever Pépère, il souffre la Pépère, c'est pas bien. Ton couteau. Non, finis ce que tu as commencé. Oh putain que c'est sympa. Bah c'est rassurant. C'est dommage qu'il finisse tueur en série le minot quand même. Voilà. Oh putain Bon, bah on va finir ce combat je pense. On va vraiment combattre. On n'a pas le choix. C'est exactement ce que j'allais dire. Vaincre le troll. Appuyez sur pour commencer à donner des instructions. Ouais, non, bah non, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il peut faire quelque chose si... oh, non, ça sert à rien. Oh, comme une caca.
Appuyez deux fois pour vous déplacer une version. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça. Alors j'ai eu du mal à battre trois petits PNJ bateaux. Je pense que lui, ça va être beaucoup plus compliqué. Je suis pas un peu lâche de laisser mon fils se battre seul. Je te confirme. J'ai l'impression que ça lui fait rien ou c'est moi. Je regarde, je suis en train de regarder, est-ce que ça lui fait quelque chose ou pas? Tu vas écouter les consignes de ton père quand même. Tu vois bien qu'il t'a dit de t'écarter de ton père quand même. Ah la tête, non, c'est bien la tête aussi, non? Ah, il est nerveux. Ah, tu vois qu'il est nerveux. Ah, je vois que tu es nerveux. Ah, ben, il y arrivera rien. Hein. Dites-moi dans les commentaires si j'utilise la bonne technique, je suis pas convaincu. Parce que là j'ai l'impression qu'il est en train de me faire bien mal quand même. Hein. Moi aussi j'ai crié. Bon, je vois bien qu'ils finissent là, techniquement c'est moi qui veux voir. Hein. Non, ça va, ça a l'air de faire son effet quand même. Bon. Pas lui faire très très mal non plus. Hein. Non, là c'est nul.
l'impression qu'il est plus résistant le minot que le papa, parce que depuis tout à l'heure il s'en prend plein la gueule le gamin. Ne t'approche pas de lui. C'est maintenant que tu le dis ça? Il en prend plein la plein le miret depuis tout à l'heure et toi tu dis maintenant c'est pas ça. Bah dis donc. Maîtrise tes émotions, Atreus. Oh oui, plein. Ouais, moi aussi j'ai bien. Ouais, ouais, mais reste pas au milieu. Il est immortel le gamin ou quoi? J'ai des fourmis dans le doigt. Vite, appuyez sur R3. Est-ce que c'est un QTE? Atreus. Atreus, il est mort. Tu crois que j'ai eu peur de toi? Non, c'est bon, il est mort. C'est bon, hein? Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Moi, ouais, c'était pas très très dur. Long, mais pas très dur. Tu n'es pas prêt. Ben, il a 8 ans, hein. Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait mes preuves. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. En clair, ça veut dire ferme ta gueule, écoute ton père. Dans l'idée. Bon, combien ça fait 39 minutes. Ah ben les amis, je pense qu'on va en quitter là. On va en rester là. Hein. Je pense qu'on a fait une bonne avancée aujourd'hui. Franchement, c'est beau. Ça reste quand même assez bourrin sur les phases de combat. De toute façon, en même temps, hein, il va pas jouer aux cartes, hein, ni au Scrabble. Donc, je pense que ouais, ça reste très 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 joli. Par contre. Dites-moi si ça vous intéresse de que je vous fasse des phases de gameplay sur ce jeu. Bon, je pense connaître la réponse parce que 90% des gens préfèrent voir du Gran Turismo Sport sur la chaîne et je sais que cette vidéo ne fera pas forcément énormément de vues. Malgré tout, voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît bien. Je vous proposerai quand même de temps en temps des vidéos, des contenus exceptionnels dans les cadres des vidéos du jeudi de ce genre. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse pas. Voilà, j'attends tous vos commentaires et tous vos retours. Évidemment, je vais pas systématiquement me calquer sur ce que vous dites, mais votre opinion guidera parfois mes choix. Voilà, donc les amis, merci encore une fois de m'avoir suivi. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles sessions, très certainement ce jeudi sur du grand ce samedi sur du Gran Turismo Sport. Et très très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci les amis, à bientôt, salut à tous.